Alors aujourd'hui, Fracture, qui est l'association qui fédère les associations opposées au contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, manifeste leur mécontentement sur cette consultation. Quel en est un petit peu le fond de, ce mécontentement? Alors au départ, on n'est pas contre le contournement ferroviaire, hein, on est contre le tracé, parce qu'on est tous pour désengorger le fret ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, et surtout le nœud ferroviaire lyonnais, pour favoriser le transport de voyageurs. Non, donc on est contre ce tracé qui passe bien trop près des habitations, bien trop près des écoles, le long de la nappe phréatique. Enfin, ce tracé présente tellement d'anomalies qu'on ne peut vraiment pas en l'état l'accepter pour l'environnement et pour les populations. Donc la Fédération Fracture est contre ce tracé et il est pour une alternative que nous avons proposée depuis longtemps, qui est le long de la ligne LGV, qu'on appelle la LGV Méditerranée, pour rejoindre jusqu'à Salaise-sur-Sanne. Mais quand on vous oppose du côté de Réseau Ferré de France ou d'autres institutions publiques, aujourd'hui ce sont des projets très coûteux et qu'il vaudrait mieux circuler par la rive droite ou par la rive gauche du Rhône, qu'est-ce que vous dites? Alors le très coûteux, c'est eux qui le disent. Nous, on peut démontrer l'inverse, voir qu'ils sont à peu près d'un coût équivalent avec des longueurs équivalentes. Parce que bien sûr, RFF s'arrête à Sibelin. Et nous, si on poursuit les chiffrages jusqu'à Salaise-sur-Sanne, avec la réflexion des vieilles lignes rive droite, rive gauche, eh bien là, les coûts sont quasiment identiques. Donc à coût identique, il vaut mieux optimiser les investissements avec un tracé plus rapide, plus efficace pour le fret ferroviaire, beaucoup moins dangereux pour les populations et pour l'environnement. Donc il n'y a pas photo, les coûts, il faut les comparer, mais jusqu'au bout. Mais on circulera quand même, si le contournement est modifié, on circulera quand même sur la rive droite et sur la rive gauche, au-delà de Salaise? Oui, bien sûr, il y a toujours une rive qui est priorité pour les voyageurs, dédiée, et l'autre rive sera pour le fret, par exemple ceux qui partent de Sibelin, directement de la Chimie, donc ils emprunteront effectivement ce couloir, ça fera nettement moins de trains pour la rive droite, rive gauche, donc on ne va pas accentuer le risque en aggravant bien sûr le nombre de trains, le nombre de trains sera augmenté, mais aussi leur longueur. Donc il faut bien comprendre qu'avant, on estimait qu'il y avait peut-être 50-70 trains par voie. Maintenant, ce seront peut-être 90, mais des trains qui seront 2 fois plus longs. Donc bien sûr, avec 2 fois plus de risques. Et ça, c'est pas acceptable sur une telle masse de population qu'il y a le long de ces voies ferrées. Alors, ultime question. Aujourd'hui, le tracé voyageur de la rive gauche est engorgé quand on le prend tous les matins. On voit que par ailleurs l'autoroute est bouchée sur la rive droite en général. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une remise en circulation à certaines heures de la journée du trafic voyageur sur la rive droite, en gros entre La Voulte et Lyon, serait utile? Alors ça serait même plus que recommandé, d'autant plus que si on dégage justement de cette voie ferrée, de cette rive droite, le trafic ferroviaire, en le reportant bien plus loin de l'agglomération lyonnaise, eh bien voilà, on dégage des sillons, on dégage donc du transport voyageur et on améliore toute la situation locale. Donc il faudra mettre en voyageur la rive droite? Oui, au moins en partie. On ne pourra pas l'exclusivement la dédier à la rive droite puisqu'il y a toute la vallée de la Chimie qui va s'en servir. Celle-ci périclite, donc il y aura de moins en moins de trains de ce côté-là. Bon, il y a tout le trafic qui viendra effectivement du nord qui ne pourra peut-être pas forcément emprunter le Céphale s'il passe jusqu'à Salaise-sur-Sanne. Donc il y aura beaucoup moins de trafic fret. On ne peut pas exclusivement la réserver les 2 voies aux voyageurs, c'est techniquement... Mais à certaines heures de la journée peut-être? Alors ce serait bien, optimisons les heures de la journée et puis évitons surtout le transfert de nuit tellement impactant pour les populations quand même.